Grâce à ses longues rectrices, le tupinet est facilement identifiable. Ce petit passereau n'attend pas l'arrivée du printemps. Début mars, voire avant, le couple déjà formé entreprend la construction du nid. Et quel nid ! Cette tâche peut durer plusieurs semaines. Ce petit chef-d'œuvre mérite bien que je m'y attarde quelques instants. Sa paroi élastique, composée principalement de mousse, est liée par des cocons, des fils d'araignée et des crins. En couverture, écailles de bourgeon, débris d'écorce et lichen en abondance. L'intérieur est garni copieusement de plumes diverses et de poils. Contrairement à la majorité des oiseaux qui redoublent de discrétion en période de reproduction, cette espèce ne prend aucune précaution. Les allées et venues régulières, accompagnées de petits cris de surcroît, en suivant les mêmes parcours, facilitent la localisation de l'ouvrage. De plus, il est au vu et au su des prédateurs locaux, car en cette période hivernale, la végétation encore endormie ne peut dissimuler cette grosse boule ovoïde en cours de fabrication. Ce manque de vigilance coûte cher à ces petits bâtisseurs hors pair. Sur les 5 nids observés aux jumelles au début du printemps, un seul accueillera la ponte. Les autres furent éventrés. Les volatiles, principalement les petits passereaux, confectionnent leur nid dans l'ombre, secrètement, à l'abri des regards, dans la végétation dense généralement. A contrario, les belles réalisations de la mésange à longue queue sont exposées en vitrine, dans la lumière, aux yeux de tous. Ce manque de camouflage extérieur m'a permis de filmer les auteurs à distance sans les perturber, tout naturellement. C'était l'unique condition du projet. Sans une bonne connaissance de l'agent télé, les prises de vue en période de nidification sont à proscrire, a fortiori avant l'éclosion. Bien que ces oiselets soient peu craintifs, toutes les séquences sont réalisées avec un dispositif télécommandé. Ce petit matériel, installé à leur insu entre deux voyages, n'a pas inquiété les futurs parents, plutôt soucieux d'accomplir leur dur labeur. Encore quelques allers et retours pour terminer la chambre douillette. Bientôt, 7 à 12 œufs seront déposés et couvés 14 jours environ par la femelle, relayés parfois par le mâle. Vingt jours plus tard, espérant filmer la famille au complet, c'est une nouvelle déception. Il ne reste au pied de l'arbre qu'une enveloppe déguenillée, vidée de son contenu, y compris les plumes. Bien que préparé à cette éventualité, l'acceptation m'est toujours difficile. Enfin, une bonne surprise. Celui-ci, pourtant visible de loin comme les précédents, a échappé au pillage. Ce couple, plus chanceux que ses congénères, a franchi les différentes étapes avec succès. Ponte, incubation et l'élevage de leur progéniture pendant 2 semaines. Leur nichée envolée, ils vont se remettre au travail, car une seconde couvée est prévue en mai-juin, comme chez la plupart de nos mésanges.
Le printemps, maintenant bien installé, a ombragé l'ensemble du sous-bois. Sous ce couvert végétal luxuriant, déplacements et activités des petits architectes ailés passeront plus facilement inaperçus. Sauront-ils profiter de cet atout pour mener à bien et fonder une seconde fratrie, sans tomber dans les nombreux pièges tendus par Dame Nature? Pour mon plus grand plaisir, au cœur de l'hiver, ces familles regroupées n'hésiteront pas à venir visiter mes mangeoires.